Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre émission. Au programme de nombreuses choses. Bonjour André, la Bonjour forme? Fabienne, c'est la forme, D'accord, ça passe. donc je te laisse tout de suite la parole pour le premier reportage. Ok, allez, on y va avec l'Alliance des générations, comme son nom l'indique, est faite pour rapprocher les passions de plusieurs générations. Et pour la sixième année consécutive, elle a organisé la brocante enfant au marché couvert. C'est un reportage d'Emeric Boucher. Vous aussi rencontrer dans les rues de notre ville en faisant vos courses ou tout simplement en prenant l'air, cet homme vêtu de rouge accompagné de son animal à quatre pattes. Non, non, l'homme vêtu de rouge, ce n'était pas André, pas cette fois, tu ne t'étais pas déguisé. Non, mais je vous parle du Saint-Nicolas. Et oui, il était en ville et après sa promenade en ville, il est parti directement à la bibliothèque pour raconter de magnifiques histoires aux enfants et leur distribuer des friandises. Tout de suite, le reportage. Thank you.
voilà, pour poursuivre avec Saint-Nicolas, comme à chaque fois pour des sujets de société, Madame Bouvard reste pour nous une valeur sûre. Aujourd'hui, elle nous raconte l'histoire de Saint-Nicolas. Reportage Julien Valère. Alors, nous allons fêter bientôt la Saint-Nicolas avec un petit peu d'avance sur le 6 décembre à la bibliothèque, de même d'ailleurs que dans les écoles du Cateau et dans la ville avec l'âne de Saint-Nicolas. C'est une tradition qui est encore extrêmement vivante dans le nord de la France et qui se développe même. Alors, l'occasion pour nous de s'interroger un petit peu sur l'origine de cette fête des enfants. Et en fait, on est à la jonction de plusieurs traditions. Il y a d'abord ces mythologies très anciennes qui nous viennent du fond des temps, de l'Europe agricole, du temps des anciens Germains. Ce sont ces mythes anciens qui sont très, très tenaces, qui ont perduré. Après, bien sûr, il y a la tradition chrétienne des saints qui sont nés au Moyen-Âge, en fait, bien après souvent la période supposée d'ailleurs de vie du saint. Toutes ces traditions chrétiennes, bien sûr, ont récupéré un petit peu les anciennes coutumes païennes des campagnes. Et puis, il y a eu aussi le folklore, les traditions qui évoluent au cours des ans. Et on va voir avec la Saint-Nicolas et d'autres fêtes ces évolutions. Alors, en ce qui concerne l'origine ancienne, l'origine mythologique, et ben là on n'est vraiment pas déçu en ce qui concerne Saint-Nicolas, parce qu'alors on y trouve des divinités absolument épouvantables qui sont les Nixes. Alors les Nixes sont des divinités germaniques, des divinités des eaux que l'on rencontrait dans les eaux et qui étaient très maléfiques puisqu'elles avaient pour habitude d'attirer les gens et de consommer la chair fraîche. Alors bien sûr, en priorité celle des petits-enfants, on peut s'en douter. Alors l'origine de ces fameuses Nixes est assez évidente parce que dans les temps anciens il y avait quand même beaucoup d'eau, de marécages, d'étangs, de mares qui étaient des lieux pas toujours très agréables et parfois d'ailleurs très dangereux. Et l'imagination pouvait, les histoires qui étaient réellement arrivées à certaines personnes pouvaient donner lieu à des légendes. Et ça servait aussi à effrayer un petit peu les enfants pour qu'ils ne s'approchent pas trop de l'eau, parce qu'on leur faisait un petit peu peur s'ils s'approchaient trop de l'eau. Il y avait un monstre surgi du fond des eaux qui allait les saisir. Alors vous me direz, le rapport avec Saint-Nicolas n'est pas du tout évident, parce que notre Saint-Nicolas chrétien, c'est exactement le contraire, puisque c'est le protecteur des petits enfants. Le protecteur des jeunes gens. Alors comment est-on passé de l'un à l'autre? Eh bien par une espèce de retournement, de renversement dont les mythologies sont coutumières. L'Église, quand elle s'est répandue dans les campagnes, surtout à partir, disons, autour de l'an 1000, un petit peu avant, un petit peu après, a voulu un petit peu substituer à ces mauvaises coutumes païennes les bonnes coutumes chrétiennes, et le bon Saint-Nicolas, protecteur des enfants, remplace donc ces fameuses Nixes, mais reprend un petit peu, se situe un petit peu dans ce même courant. Et il y a quand même une survivance de cette origine un petit peu maléfique ancienne qui est ce fameux père fouettard qui accompagne parfois Saint-Nicolas et qui punit les enfants qui n'ont pas été sages. Bon, c'est son double maléfique, c'est cette survivance qui est restée. Alors, des légendes de Saint-Nicolas, il y en a beaucoup. La plus connue, bien sûr, c'est celle des trois petits-enfants qui sont découpé en morceaux mis au saloir par l'affreux boucher et sauvé grâce au miracle accompli par le saint. En fait, c'est une coutume qui est née, bien sûr, bien après le saint. Saint-Nicolas, c'est un saint qui s'est illustré vers 270 dans un pays qui est l'actuelle Turquie, en fait. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir. La légende, elle est née autour du 9e, 10e siècle et elle nous est connue grâce à un grand poète qui était Gérard de Nerval, qui a conservé la chanson qui était encore chantée dans les campagnes françaises et qui a sauvé un petit peu cette légende des trois petits-enfants qui est encore de nos jours, que l'on raconte très volontiers, que beaucoup d'enfants connaissent. Alors quelquefois c'est trois petits-enfants, mais ça peut être trois jeunes gens, trois étudiants, trois jeunes filles qui ne peuvent pas se marier parce que leur père est trop pauvre. Ça tourne toujours autour du chiffre 3, qui est, comme chacun sait, dans les contes, un chiffre magique. Alors Saint-Nicolas, protecteur des jeunes gens, protecteur également des marins. Son culte est également lié à la mer, au sel, à toute cette civilisation qui s'est répandue un petit peu le long des côtes.
Par la suite, il va être également assimilé à un médecin, parce que comme ça a été autrefois l'évêque de la ville de Myre, Myre, et qu'au Moyen Âge, le mot myre désignait un médecin, Myre, mais c'est bon, c'est pas grave, hein, il y a une espèce de d'assimilation comme ça d'un Saint Nicolas bénéfique. Alors, c'est fêté donc régulièrement par les enfants qui mettaient les chaussures, ou plutôt les sabots à l'époque, dans la cheminée et qui recevaient en récompense surtout des fruits, quelques friandises. Il y a les spéculoos également dans le nord de la France et la Belgique, hein, qui sont un peu les biscuits que l'on fabrique à cette occasion. Et puis Saint Nicolas, par la suite, comme c'est le patron des jeunes gens, eh bien, il a beaucoup été fêté aussi par les étudiants lors de cortèges carnavalesques qui n'étaient pas toujours très sages, hein, notamment à Lille dans les années 70. J'ai le souvenir de quelques Saint Nicolas assez agités. Voilà. Alors, de nos jours, donc, c'est plus la fête des petits garçons, hein, Sainte-Catherine étant la fête des petites filles. Et d'ailleurs, une anecdote assez amusante, en fait. Entre la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, on a le Saint-Éloi. Et Saint-Éloi, c'est le patron, comme chacun sait, des forgerons. C'est le symbole aussi des chaînes, des anneaux. Donc on voit aussi le lien qu'il peut y avoir entre les jeunes gens et les jeunes filles qui sont fêtées. Hein, ce sont des fêtes, encore une fois, très anciennes, qui s'inscrivent dans des cycles. Il y avait autrefois deux grandes saisons, enfin, toujours de nos jours, bien sûr, la saison claire et la saison sombre, et les moments des solstices, c'est des moments de fête. Et Saint Nicolas tombe à ce moment-là, en fait, s'inscrit dans tous ces cycles agraires très anciens. Ça correspond également à une période qui était autrefois une période de mi-carême, parce qu'il faut savoir qu'il y a le carême avant Pâques, mais il y avait aussi autrefois un carême de la Saint-Martin avant Noël, qui est bien sûr complètement disparu. Et au milieu de ce carême, on fait la mi-carême, c'est une période de fête, de réjouissance, à leur distribution de friandises pour les enfants. On va rester fidèle aux traditions et aussi lecture de ces contes, ces légendes qui sont joliment arrangées dans des éditions plus modernes et que les petits-enfants continuent de connaître et d'apprécier. Alors, il y aurait encore beaucoup d'histoires à raconter autour de Saint Nicolas, qui décidément est un saint très intéressant, mais vous trouverez tous ces renseignements dans une publication très bien documentée de Bernard Cousset, qui est le grand spécialiste du folklore de notre région et que beaucoup de cathésiens ont eu le plaisir de venir écouter il y a quelques semaines au cinéma. Et puis un autre très beau livre également sur Saint Nicolas, avec de très très jolies reproductions de toutes ces anciennes cartes postales. Toutes ces illustrations sur le saint, un des saints préférés des enfants. Voilà. Restons à la bibliothèque. En effet, Madame Bouvard nous a appris que le Père Noël, en fin d'année, avait énormément de travail. Donc, pour l'aider, elle a décidé de créer avec les enfants un nouveau compagnon qui pourra l'aider à nous distribuer tous nos cadeaux. Donc, tout de suite, les images où Madame Bouvard vous expliquera bien mieux que moi en quoi consiste cette histoire. Alors, je vais essayer de vous présenter le concours qui est lancé par la bibliothèque municipale à l'intention donc des jeunes enfants à l'occasion de Noël. Hein. En général, quelques jours avant Noël, là ça va être le mercredi 21 décembre, on fait une petite après-midi récréative avec des lectures de contes de Noël, des dessins, chocolat chaud, des brioches, des distributions de friandises, etc. Donc, habituellement, on faisait les dessins donc lors de cet après-midi. Cette année, on a eu envie pour une meilleure organisation de lancer donc ce concours de dessin, donc à partir du 1er décembre jusqu'au 17 décembre. Alors, je précise bien qu'il s'agit d'un concours destiné aux enfants et uniquement donc aux enfants des cycles 1 et 2 des écoles élémentaires. Hein. Alors, non, le cycle 2 et 3, excusez-moi, j'ai pas bien encore, comme beaucoup de parents, l'habitude des cycles, parce que ça n'existait pas autrefois. Donc, le cycle 2 à partir des grands de la maternelle, hein. Et puis le CP et le CE1. Et
Le cycle 3, à partir du CE2, les CM1, les CM2. Voilà. Hein, donc deux catégories, hein, deux correspondant à deux âges différents. Donc il est demandé aux enfants de réaliser un dessin sur un thème bien précis qui nous a été inspiré par cet album, l'histoire de Mishka, le petit ours de Noël. C'est une histoire très connue. Beaucoup la reconnaîtront parce qu'elle est racontée déjà aux enfants depuis de nombreuses années. Alors dans cette histoire, Mishka, le petit ours, aide le Père Noël à réaliser sa distribution de jouets. Et nous demandons aux enfants d'inventer un personnage qui aide le Père Noël. Alors attention, il ne s'agit pas de recopier cette histoire, il ne s'agit pas non plus de recopier des dessins d'autres histoires, il s'agit d'inventer. Hein. Ce peut être un personnage, un petit garçon, une petite fille, une mère Noël, un robot, un animal, place à l'imagination, mais c'est l'originalité et l'imagination qui seront donc récompensés. Alors, on demande également que le dessin soit réalisé sur une feuille de papier canson, donc dans un format, hein, ça doit être 24-32, je pense. Les enfants peuvent venir retirer une feuille de canson à la bibliothèque. Et surtout aussi, on leur demande de ne pas mettre leur nom du côté du dessin. Il y aura un petit emplacement prévu au dos de la feuille. Comme ça, ça permettra au jury de choisir les dessins tranquillement. Donc, trois belles récompenses dans chaque catégorie qui seront annoncées et distribuées le mercredi 21. Les dessins, bien sûr, seront exposés à la bibliothèque municipale et rendus par la suite à leur propriétaire. Alors, à vos crayons de couleur, hein, toutes les techniques, bien sûr, sont admises, y compris les collages, le noir et blanc, enfin, on peut tout inventer. Mais c'est surtout la création et l'originalité qui essaient de demander. C'est pour ça que nous avons voulu que ce concours soit quand même pour des enfants, pas les plus petits-petits, hein, mais pas non plus les plus grands, parce que c'est la fête des enfants, et on souhaite les récompenser. Voilà. Alors, ça t'inspire? Toi, tu sais bien dessiner, tu vas participer au concours? J'ai très rarement fait des dessins, mais si vraiment c'était nécessaire, j'irai le faire, mais pour l'instant, je ne garantirai pas les résultats. Hein. D'accord, donc laissons les enfants faire. Je pense qu'ils vont nous créer un personnage parfait. Je crois. Et au moins, on sera sûr d'avoir nos cadeaux. Je crois. Et toujours pour Saint-Nicolas, décidément, il a du boulot pour cette fin d'année. Donc, cette année-ci, Saint-Nicolas a choisi de rendre visite aux élèves de l'école Saint-Joseph-du-Cateau. Avec son âne, il a surpris plus d'un enfant. Suivez plutôt notre reportage. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, L, M, N, O, P, Q, R, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, L, M, N, O, P, Q, R, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
c'est ma poupée. J'en suis toute désolée. Comment ferais-je vraiment pour m'amuser maintenant? Alors, Fabienne, qu'est-ce que tu nous réserves maintenant? C'est quoi le sujet? Alors, le sujet, bien comme chaque année, vous le savez, le mois de décembre, surtout le début du mois de décembre, est consacré à une très bonne action, le Téléthon. En effet, il faut continuer à se mobiliser pour lutter contre ces maladies génétiques. Eh bien, au CATO, on continue à se mobiliser pour cette action et notre équipe de choc est partie voir les associations pour voir comment elles contribuaient à cette lutte. Le Téléthon, c'est d'abord et avant tout une affaire de cœur. Je crois que le cœur, catholique en Brésil, ben, il existe depuis très longtemps. Il y a une mobilisation d'autant plus forte que c'est un problème de santé. C'est vrai qu'il faut aider la recherche. Alors, c'est l'action, beaucoup d'action. C'est quoi comme action? C'était un festival d'action et d'aventure qui a eu lieu à Valenciennes en mars 2005. Pour nous qui n'y étions pas, un envoyé spécial y est allé, c'est James Planchon qui nous fait vivre l'action et l'aventure. Rat Pack, ça vous dit quelque chose? Non. Non, c'est quoi? Trois personnes. Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Trois personnes réunies pour un casse. Voilà le rapport. On est trois. Il y a le Gaumont, le festival de Valenciennes. On est prêt pour repartir pour la même aventure. And all my dreams were overdue. Excuse me, Jerry. For someone like you, if I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Then every minute and every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dreams were overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Coffre-fort. En plein Gaumont, un coffre-fort avec encore trois objets. Ah. Et je veux ces trois objets. Tiens. Ah. Une bobine. Pas n'importe quelle bobine. La dernière bobine, dernier spectacle, des Rat Pack. On stage. Voilà. Une valeur inestimable. Et une fiole.
la dernière fiole de brillantine de Dean Martin. Voilà. Et enfin le micro. Le micro de Frank Sinatra. Oh, ces trois objets envoyés chez nous pour l'avenue du fils de Dean Martin. Ah bon? Why you treat me so mean? You're the meanest old woman I ever done seen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. What I say? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when clouds are green. Wow! You never know, dear, how much I love. Frank, how you doing? Fine, thanks. Alors, nous avons l'honneur d'être avec Monsieur Ricky Martin en personne. I would like to know, it's the first time you come to France? This is my first time to France, yes. C'est la première fois qu'il vient en France. In Europe, in Amsterdam, many years ago with the Beach Boys, but first time here in France, and I'm totally loving it. Donc, Monsieur Martin est déjà venu avec les Beach Boys, notamment à Amsterdam, et puis donc c'est la première fois qu'il vient en France, et il apprécie totalement notre pays. You are the end of the animals, be-bomb, be-bomb, be-bomb. Well, you've got lips sweet as honey, tell you what I'll do. Well, you can knock me down, take my money, but I'll never stop kissing you. Donc ça veut dire que le Rat Pack est recréé? Ma foi, pourquoi pas? Allez. Alors au Rat Pack. Allez, on tente l'aventure, au Rat Pack. Et à l'aventure du Rat Pack. Or attaque. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like. On a vu des films de grande qualité. Vraiment, je suis enchantée. Mais j'attendais pas moins des petits gars de Schnorr. Oh bah tiens. Alors vous parlez de Rheims à l'instant, vous connaissez oui. Cette ville? Mais attendez, j'ai habité 7 ans. Oh. J'ai fait toutes mes études à Valenciennes, au lycée Watteau. Au lycée Watteau, j'étais à Wallon, en zut, pas de bol, pas de bol. Alors. Oh, pas de bol. Let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Jump, jump, jump. J'ai vu dans la sélection là qu'il y avait 3-4 films tout à fait remarquables. Genre l'ultime Razzia, je crois, de Stanley Kubrick, Mélodie en sous-sol, enfin des films comme ça qui sont... Donc voilà, je pense que c'est bien, très très bien. Moi je vous dis, c'est ce cinéma-là qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ah oui, ça m'a aidé. You fill my heart with song, let me sing forevermore, because you are all I worship. All I long for and adore. In other words, please be true. In other words, I love. C'est qui? You. C'est la fille de Frank Sinatra.
nous avons parlé de tonnes d'activités pour les enfants. Mais André, je ne t'ai pas oublié et je n'ai pas oublié non plus les grands-enfants. En effet, au Select, on a pensé à tout le monde et le Select vous a prévu un programme de choc pour ce mois de décembre. Tout de suite, notre envoyé spécial, Stéphane, va nous raconter tout le programme. Bonjour à tous et bienvenue sur BFR Vision pour votre page cinéma. Le Select projette samedi 10 et dimanche 11 Les Chevaliers du Ciel. Les pilotes Marchelli et Valois sont contraints de suivre un Mirage 2000 qui s'est volatilisé lors d'un vol d'exhibition. Après l'avoir abattu, ils sont démis de leurs fonctions, mais leur réputation n'en est cependant pas atteinte. Ils sont engagés pour une mission secrète qui les conduira au cœur de l'Afrique et à la découverte d'un étrange complot. Le tout est servi avec beaucoup de charme par une équipe d'acteurs dont le talent n'est plus à démontrer. Entre Top Gun et Independence Day, les Chevaliers du Ciel a gagné son pari de grand spectacle à gros moyens. Putain, j'en suis. Je crois que tu vas avoir une surprise. Faire shooter par des meufs, c'est moche. Hein. S'ils nous cherchent, ils vont nous trouver. Ah, ça, c'est sûr, ouais. Tu vois, c'est pour ça que j'adore ce job aussi. On a de la visite, Mademoiselle Coste, cabinet du Premier ministre. Quand je vous dis d'aller plus vite, je demande pas si c'est possible, je vous dis de le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Les deux meilleurs pilotes de l'armée de l'air. Marco 21, recherche Mirage 2000, possibilité hostile. Bonjour, messieurs, gendarmerie nationale. Wolken, il m'éclaire. Demande autorisation, tir de semence. Négatif. Allez, décrache-moi ce coup. Abandonnez la poursuite. Je commande de descendre. Wolken. J'engage. Le samedi 14 et le mercredi 21, le Select projette Harry Potter et la Coupe de Feu. Harry Potter, 14 ans, entre en quatrième année d'études au Collège de Poudlard, où l'attendent de nouvelles épreuves. Hanté par des cauchemars qui mettent à vif sa cicatrice et la lui rendent plus douloureuse que jamais, Harry est soulagé d'échapper un temps à ses mauvais rêves en assistant à la Coupe du Monde de Quidditch aux côtés de ses amis. Mais la fête est troublée par l'apparition dans le ciel du masque noir, emblème du maléfique Lord Voldemort. Cette année, Poudlard accueillera un événement légendaire, le tournoi des trois sorciers. Le tournoi réunit trois écoles. J'adore quand elles font ça. Pour une série d'épreuves magiques. Je me demandais si tu accepterais de venir au bal avec moi. Amour naissante. Monsieur Weasley, placez votre main droite sur ma taille. Où ça? Un seul élève de chaque école est choisi pour survivre à trois tâches dangereuses. Un seul entrera dans l'histoire. Un seul connaîtra la gloire éternelle. Des gens meurent dans ce tournoi. Je n'ai rien fait pour que ça arrive. Je ne veux pas la gloire éternelle. J'ai peur pour toi. Je ne suis pas prêt pour ça. Tu n'as pas le choix. Tu es celui qui a survécu. Cette année... Tu es en danger, Harry. Son épreuve suprême... Combattre dans un tournoi, ce n'est plus la réponse. Qu'est-ce que tu dis? Deviendra l'heure la plus noire. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le Seigneur des Ténèbres renaîtra. Harry! Harry Potter et la Coupe de Feu. Comment croire qu'au milieu des horreurs de la Grande Guerre, des soldats aient pu poser les armes et fêter ensemble Noël? Christian Carion nous fait découvrir la vie des poilus, les pieds dans la boue, à quelques mètres seulement des troupes ennemies, sous le feu des lignes adverses et de l'artillerie. Guillaume Canet campe un officier digne, plein de bravoure, malgré sa jeunesse. Danny Boone, dans le rôle du coiffeur Ch'timi, drôle et touchant. Il apporte une touche d'humour nécessaire à ce film. Joyeux Noël est un grand film à ne surtout pas manquer, au Select le dimanche 18. Une bouteille de champagne, mon cas. Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver.
Peut-être pour oublier un peu la guerre. Tim Burton a aujourd'hui le plaisir de nous annoncer les noces, funèbres, cela va de soi, de ses deux incroyables fiancés. Les timides Victor et Victoria sont sur le point de se marier, sans s'être jamais rencontrés. Le timide Victor se conduit de façon tellement inepte le jour des fiançailles que le pasteur le renvoie. Victor va cacher sa honte au cœur de la sombre forêt qui entoure le village. Une fois seul, il prononce sans peine les vœux rituels et va jusqu'à déposer l'anneau nuptial sur ce qu'il croit être une racine. C'est alors que la terre se fend et que se dresse devant lui le corps décomposé, magnifique, d'une femme vêtue d'une robe nuptiale. Les noces funèbres au Select le vendredi 23. Aujourd'hui, Wallace et son chien Gromit, ces deux drôles et sympathiques personnages en pâte à modeler, reviennent enfin. Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Cet épisode amène nos deux héros sur la trace d'un mystérieux lapin-garou géant, ce dernier qui s'attaque au potager de la ville et sur le point de gâcher le grand concours annuel de légumes. Autant dire que Wallace et Gromit vont tout faire pour appréhender le vilain lapin-garou et se lancer à corps perdu dans l'enquête. On ne peut qu'une nouvelle fois fondre devant ces nouvelles aventures so-british, des étincelles plein les yeux et le sourire aux lèvres, à découvrir au Select samedi 24. Des légumes. J'ai un épouvantable problème de lapin. Comment diable ces deux-là auraient-ils pu capturer un lapin de cette taille? Voyons, Gromit, un peu plus aguicheur. Allez. Voilà ces Gromit, le mystère du lapin-garou. Voilà, la page cinéma, c'est terminé. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur BFRovision. Que ferions-nous sans lui? Gérard Lemoine, toujours égal à lui-même et toujours avec le même humour et encore avec la même verbe, nous présente la précieuse minute du Bafiou. Bonjour, la gloire et le soleil des morts, Honoré de Balzac. Le nationalisme, c'est un patriotisme qui a perdu sa noblesse. Albert Schweitzer. La justice, ici-bas, n'a qu'un défaut, elle est tardive. Josette Bernier. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Antoine de Lamotte. Un empire fondé par les armes a besoin de se soutenir par les armes. Charles de Montesquieu. J'aime la force, et de la force que j'aime, une fourmi peut en montrer autant qu'un éléphant. Henri Stendhal, qui disait aussi « Le plus grand des bonheurs qui puisse arriver à un grand homme, c'est d'avoir des ennemis 100 ans après sa mort. » « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut bien la peine. » Georges Danton. « L'empire est quelque chose, mais hélas, l'empereur n'est rien. » Pierre Corneille. Et enfin, « Le désespoir est la plus grande de nos erreurs. » Auteur inconnu. Au revoir. André, quelle rapidité, te revoilà déjà? Mais dis donc, comment tu fais pour te changer si vite? C'est une question d'habitude. Bon, il va falloir que tu me donnes la recette parce que mon mari se plaint toujours que je suis longue pour me préparer. Donc, tu me notes tout ça et puis... Oui, je te donnerai la recette, mais attention, c'est pas si facile que ça, il faut suivre. D'accord. Voilà. Eh bien, en attendant, je vous tiendrai au courant hein, si les recettes d'André fonctionnent bien. En attendant, j'étais très très heureuse de vous retrouver pour cette émission. Et si nous ne nous revoyons pas pour les fêtes de fin d'année... Joyeux Noël, bonne année et plein de bonnes choses. Donc, à très bientôt. André, à bientôt. Bon, à très très bientôt. Donc, je dis aux cartésiennes et cartésiens, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir à tous. C'est sûr, c'est dans la boîte. Have made to you're